Bonjour, on est vendredi le 3 février 2012. Et puisque ma petite émission s'appelle Le temps qu'il fait, eh bien je vais vous le dire, il fait très froid. En tout cas, là où je suis. Ceci dit, j'ai pris l'habitude récemment, dans les vidéos récentes, de donner un titre à mes interventions, alors le voici. Un monde qui craque à chacune de ses coutures. Voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans l'actualité, on a un certain nombre de choses. La première, c'est un titre dans le Wall Street Journal ce matin, sans doute hier soir aux États-Unis. L'Amérique s'inquiète des liens entre l'Iran et Al-Qaïda. Alors, ça vous rappelle sans doute des choses et sans doute des choses pas très sympathiques, parce que la dernière fois qu'on a parlé de liens entre un pays et Al-Qaïda, enfin non, on le fait assez souvent, mais la dernière fois qu'on en a parlé très sérieusement, ça a précipité une série d'événements. Bon, il n'y avait aucune preuve, il n'y avait aucun élément pour le justifier. À l'époque, j'en sais rien de ce qui se passe en ce moment. Mais ce qui était le plus inquiétant, c'était qu'il y avait des statistiques, enfin des sondages, oui, des chiffres, disant qu'à l'époque, où on parlait de liens entre Al-Qaïda et l'Irak, le gouvernement de l'Irak, je crois qu'il y avait des chiffres comme 80% des habitants des États-Unis, des Américains, le croyaient. Voilà. Donc on peut vraiment faire croire ce qu'on veut aux gens quand on a l'intention de le faire. Les gens sont crédules. Les gens sont crédules. Il suffit de voir le nombre d'histoires de complots qui circulent sur l'Internet. Il y a même des. Bon, on voit même dans des journaux sérieux, on voit des explications qui ne tiennent absolument pas debout, qui sont proposées à divers endroits pour expliquer diverses choses. Alors il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter de ça. Dire qu'un gouvernement a des rapports avec Al-Qaïda, ce sont des bruits de bottes. Ce sont des bruits de bottes, donc c'est pas rassurant. Alors, autre chose dans l'actualité, le Portugal. Portugal qui. Où les Portugais se mettent en grève pour protester contre l'austérité qu'on leur impose, excusez-moi de la rigueur, non je plaisante, l'austérité qu'on leur impose, suppression de certains jours de congé, baisse du salaire minimum, hausse des impôts, et évidemment hausse des impôts, pas évidemment sur les gens qui n'en payent pas, mais ou qui en payent très peu, mais évidemment sur les gens qui en payent toujours, et bon, c'est une vieille rengaine. Troisième élément dans l'actualité, la Cour suprême de la Suède qui confirme les peines de prison pour les gens du site de Pirate Bay. Le site Pirate Bay met des liens, signale des liens qui envoient à de l'information gratuite. Bon, voilà, gratuite pour certains, pour ceux de Pirate Bay, et pas gratuite pour d'autres. Donc peine de prison, 10 mois de prison pour l'un, 7 mois pour l'autre, 4 mois pour un troisième, etc. Et on est en Suède. On est en Suède. C'est un pays qui nous est souvent cité en exemple. Alors dans la guerre qui est menée par le système de profit, contre le système de la gratuité et du don, on n'y va pas de main morte en ce moment. Bon, alors je sais de ce monsieur, monsieur Carl Schmitz, le monsieur qui se fait appeler Carl.com, Omega Upload en Nouvelle-Zélande, c'est pas nécessairement un type très très, très sympathique d'après les portraits qu'on en a vus. Mais enfin bon, la manière dont on se débarrasse de lui en envoyant une expédition où les États-Unis parviennent à faire arrêter le bonhomme en Nouvelle-Zélande, on interdit les sites, etc. C'est quand même pas, comment dire, c'est quand même pas sympathique. Je m'aperçois que mes deux derniers livres, qui s'appellent Le capitalisme à l'agonie et les entretiens que j'ai eus avec Régis Méran, qui s'appelle La guerre civile numérique, les thèmes de ces deux livres sont en train de s'entremêler. Alors, il y a un système, effectivement, qui craque à toutes ses coutures et qui n'a, comment dire, qui ne prend pas ça du bon côté. Il ne prend pas ça du bon côté. Il met vraiment ça, la grosse artillerie en marche. Alors, il y a un certain temps, c'était bon, il y a quand même pas mal d'années, s'était créé le mouvement anti-utilitariste pour les sciences sociales. Et ce mouvement, c'est poser la question du don et de la gratuité.
Il a posé la question depuis pas mal d'années. Il y a eu beaucoup de réflexions dans le cadre de la revue du MOS sur ces questions-là. Et moi, j'ai toujours lu ça. Bon, j'ai participé. Je suis, bon, je crois, encore mentionné quelque part dans un comité scientifique pour cette revue. Et les discussions qui ont lieu sur une trentaine d'années, peut-être même davantage, sont sur une autre logique qui peut remplacer celle du profit pur et simple, celle de la gratuité et du don. Comme fonctionne ici sur le blog. Vous pouvez regarder ça gratuitement. Si vous avez envie de manifester votre gratitude pour ce que nous faisons, vous pouvez faire un don, mais personne n'est obligé et il n'y a pas d'accès, il n'y a pas des choses qui sont cachées à ceux qui ne payent pas. Tout ça est entièrement visible. Donc le blog ici, il fonctionne dans cette logique du don et de la gratuité telle qu'elle a été défendue et surtout analysée et discutée pendant de nombreuses années par le MOS. Et ça continue. Un mouvement anti-utilitariste pour les sciences, dans les sciences sociales. C'est un jeu de mots, bien sûr, sur aussi Marcel Mauss qui est l'auteur d'un essai sur le don bien connu, publié dans les années 1930. Un anthropologue distingué de l'école de sociologie d'Émile Durkheim. Pas véritablement un anthropologue de terrain, mais un analyste des données relatives à ce qui se passe dans les sociétés lointaines. Alors, la manière dont on a réfléchi sur ces gratuités, sur le don, c'est comme quelque chose que l'on peut mettre en application, comme c'est fait sur le blog, sans que ça gêne personne. Mais ce dont on s'aperçoit dans cette guerre qui est en train de démarrer, cette guerre numérique, c'est que ça ne se fait pas si facilement d'introduire une logique de la gratuité et du don. Parce qu'il y a toujours quelque part quelqu'un qui repose son raisonnement sur un droit de propriété qui est assez envahissant, tellement envahissant qu'il est en train de détruire entièrement la planète, pour dire que c'est quelque chose qui lui appartient et que par conséquent, vous enfreignez une loi si vous essayez d'introduire, vous, de la gratuité et du don. Bon, ça gêne facilement quelqu'un qui, à ce moment-là, a pour lui les gouvernements. Parce que bon, c'est Pascal Canfin qui attire l'attention là-dessus. Sur les 27 gouvernements de l'Union européenne, il y en a 25 qui sont des gouvernements de type néolibéral. C'est-à-dire que, bon, au niveau des gens que les gens élisent, bon, ils font encore des choix assez particuliers dans le cadre où on est. En plus, comme vous le savez, il y a une version utopique. Il y a une version utopique qui est mise là en avant pour les gens plus remuants du côté de ce néolibéralisme ou de ces ultralibéralismes. On essaye de nous vendre une utopie qui s'appelle libertarienne et qui est une utopie qui comment dire, essaye d'extrême droite, mais qui utilise le vocabulaire traditionnel de l'anarchisme et qui le recycle pour ses propres buts qui ne sont pas tout à fait avouables. Alors, la gratuité et le don, ça gêne. Pourquoi est-ce que ça gêne? Eh bien, parce que dans un monde qui est fondé entièrement sur le profit, et pas seulement sur le profit, sur la marchandisation, sur cette idée qu'on a essayé de nous vendre que tout a un prix, qu'un être humain, ce n'est pas un être humain, c'est un capital qui essaye de bien se placer et qui, quand il épouse, quand les gens se marient, eh bien, ce sont des placements qu'ils font, ce sont des investissements qu'ils font. Quand ils élèvent leurs enfants, c'est un investissement qu'ils font pour avoir un retour sur capital, etc. Toute cette logique qui est une logique absolument délirante, qui est délirante parce qu'il nous fait, il nous met en délibérément en servitude par rapport à un monde des objets. Il fait des êtres humains les esclaves des objets. C'est un monde invivable. Mais ce monde a sa logique du profit, et il se défend devant les moindres tentatives de créer autre chose dans les marges. Alors cette idée que nous avons que nous allons simplement pouvoir nous réformer nous-mêmes et que le monde changera de cette manière-là, c'est oublier que ce monde qui est en place se défend et peut se défendre avec une énorme violence dans ces cas-là.
Bon, il le prend, comme je l'ai dit tout à l'heure, il le prend souvent du très mauvais côté. Ça ne se fait pas impunément. Alors, la difficulté, c'est que parmi les jeunes générations, parmi les jeunes, toutes ces idées de la gratuité et du don relèvent de l'évidence. C'est la culture implicite de l'Internet. Alors, l'Internet aussi, on le voit, c'est un outil qui a été mis en place par un certain nombre de personnes et qui peuvent le retirer si ce qui s'y passe commence à les déranger sérieusement. Alors, il faut le savoir aussi. Donc, nous sommes en train quand même de glisser d'un ancien monde qui craque à toutes ses coutures vers un nouveau. Mais il ne faut pas imaginer que l'ancien ne va pas se défendre, ne va pas vouloir survivre. Bon, alors, il est dans un tel état de, comment dire, de détérioration que ça ne, bon, l'issue est certaine d'une certaine manière, mais ça ne veut pas dire que même si on essaye de son côté simplement de passer par des transitions douces, que ces transitions douces auront lieu nécessairement en raison de la violence de la réponse qui a lieu. Mais comme je le disais tout à l'heure, Capitalisme à l'agonie, le titre d'un de mes livres récents, Guerre civile numérique, le titre d'un autre de mes livres, et j'ai traité dans ces deux livres deux problématiques comme des problématiques distinctes, mais ce monde qui craque à toutes les coutures est en train d'en faire une seule grande bataille, et c'est là que nous nous trouvons. Alors, voilà pour cette semaine, à la semaine prochaine.